Mijn uh, volgende spreker uh, is uh, regisseur Nabil Benyadir. Uh, hij heeft net een uh, film gepresenteerd hier op Filmfest Gent, uh, de film Animal. Uh, dit gesprek gaat wel in het Frans zijn, maar ik ga ervan uit dat iedereen hier vlotjes Frans begrijpt. Hè. Uh, <laughs> en anders vraag je even aan de buur om te vertalen. Maar uh, ja, graag die applaus voor Nabil Benyadir. Soir, oui. Bonjour. Bonjour, Nabil. Bienvenue, bienvenue. Euh, ben, je pense qu'on peut commencer directement avec euh, ton film Animal, oui. euh, qui va sortir en janvier au cinéma, mais tu l'as déjà présenté ici sur ce festival. Oui. Euh, pour les gens qui n'ont pas encore, pas, qui pas vu le film, tu peux peut-être nous raconter euh, de quoi ça parle. C'est l'histoire du, <coughs> du crime homophobe qui a eu à Liège. La mort d'Hissan Jarfi. Et en Belgique, on avait considéré ça comme le premier crime homophobe. C'était en 2012. pas le premier, mais au niveau de la loi, ils ont considéré que c'était un événement important. Donc, considéré euh, un peu comme le premier crime homophobe. Donc, je reconstitue euh, <coughs> les derniers jours d'Hissan Jarfi. D'accord. Pourquoi était-il nécessaire pour toi de raconter cette histoire ouais, Parce que c'est une histoire qui qui m'a touché. Euh, quand j'avais lu l'article, euh, j'avais vu Découvert du corps d'Issan Jarfi, crime homophobe. Je me suis dit que c'est la première fois que je voyais le nom d'un arabe mort sans qu'on me dise que c'est un crime raciste. Et je me suis dit, quand est-ce qu'on n'est plus arabe Et quand est-ce qu'on devient. Quel est le plus important Ton origine ou ta sexualité Donc je me suis intéressé à cette histoire. J'ai okay. suivi tout le procès. Et puis j'ai vu qu'il y avait un, un film. Pourquoi c'était important Parce que c'est une approche quand même intersectionnelle. Tu te dis, ok, euh, il n'était pas, euh, c'est l'homophobie, mais c'est aussi le racisme. Le racisme. Et euh, tu voulais aborder ces deux sujets sur euh, cette histoire euh, de ce, ce, ce jeune homme. Mmh. Euh, oui, tu peux me raconter un peu plus euh, pourquoi c'était tellement si important de, de passer par ces deux aspects-là parce que je, bah déjà je trouve que c'est un crime horrible de mourir parce que on est ce qu'on est quoi c'est à dire que tu peux mourir parce que c'est juste quelqu'un qui est différent dans un endroit où il est en minorité quoi alors euh, tu peux de, tu vois, tu peux être une minorité moi je peux être une, une minorité Nabil Malad c'est toujours une minorité mais mais <laughs> euh, mais mais non mais c'était important de, de, de pouvoir raconter cette histoire là et montrer la violence c'est à dire que c'est un film qui est très dur parce que on voit toute la violence que ce qu'a pu vivre Issan Jarfi. On ne suggère pas, on montre et c'est évidemment très très dur. Euh... Pour moi, c'était important de montrer la violence. Pourquoi Mais parce qu'à un moment donné, il faut voir la vérité. Toi, tu peux. Les images sont beaucoup plus fortes que les mots pour moi. Et que tu peux lire un article en disant qu'il y a quelqu'un qui est mort. Tu peux suggérer les choses, mais moi, je trouvais important de montrer jusqu'où la bêtise et la folie humaine euh, peut ramener des gens qui, en fait, deviennent des meurtriers. Les gens qui ont tué Issan, ce ne pas des meurtriers, ils sont pas nés comme des diables, ils sont devenus des monstres. Donc ce que je filme, c'est la, la naissance des monstres. Euh, ça a tout commencé avec un article que tu as lu sur ce sujet. Euh, voilà, tu as eu cette envie de raconter euh, cette histoire dans un film. Euh, comment s'est passé ce processus euh, Comment tu t'es informé Tu as fait du research, tu as parlé avec des gens euh Comment tu as écrit le film J'étais au tribunal pendant tout le procès. J'étais là-bas. Donc j'ai suivi toute l'histoire. J'ai compris plein de, plein de choses qui ne sont pas dans les articles, qui sont dans le film. Tu peux nous raconter euh, des choses ah, Je vais spoiler le film, je ne peux pas. Ah merde Ah ouais, c'est vrai <laughs> Je ne peux pas. Mais c'est très très important parce qu'il euh, y, y, y a un mécanisme, un automatisme de la violence. Euh, on parle beaucoup des GSM, c'est-à-dire quand tu filmes avec un téléphone. C'est une arme. C'est-à-dire que quand les gens te filment, tu veux être le plus beau, tu veux être le plus fort, tu veux être le plus viril. Et les GSM ont ramené la mort impossible à arrêter avec ces GSM qui sont des armes. Donc ça m'a intéressé vraiment de creuser ça, surtout maintenant. Le meurtre était en 2012. On est en 2021. C'est pire. Et, euh, et puis voilà. Et puis moi, j'ai rencontré le père d'Issan Jarfi. Parce que pour moi, je ne pourrais pas faire un film. Euh, sans avoir euh, au moins euh, la bénédiction euh, du papa et, euh, et donc euh, donc voilà puis c'était dur à financer parce que ça reste un film violent qui parle d'une qui parle d'une double minorité c'est à dire euh, confession musulmane euh, arabe homosexuel donc c'est un peu c'est un peu compliqué quoi ouais. c'était dur de trouver euh... pourquoi c'était dur de trouver du ouais, parce que parce que <laughs> c'est pas une comédie. Euh... J'ai pas de stars. Je n'avais pas un habit malade avec moi. Okay. <laughs> Excusez-moi, je vais arrêter avec ma Parce que c'est un ami, c'est pour ça. Euh, tu trouves que ce non. sont des, euh, des réflexions qui doivent quand même partir dans, notre, dans le secteur où on travaille bien, bien sûr, non. Parce que nous, oui. Euh, parce que nous, on est... Je pense, parce que là, tu parles d'inclusion, de, 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 oui, de visibilité, etc. Je parle aussi du fait que tu n'arrivais pas à financer ton film parce que... Oui, voilà. Après, je ne suis pas le seul. Hein. Mais, oui, bien mais, sûr. Mais je pense que je ne vais pas me plaindre. Au contraire, mm -hmm. j'ai je fait je fais des films. Mais, mais euh, je pense que c'est très, très compliqué de raconter ces, ces, ces histoires-là. Que... Et puis, ce n'est pas parce que j'ai commencé à faire un film comme Les Barons que je ne peux pas raconter l'histoire des Saint-Jarvis. Je ne suis pas condamné à raconter des histoires de quartier. Je ne suis pas condamné à raconter des histoires de Molenbeek. Donc, moi, j'ai besoin d'aller raconter d'autres histoires partout. Et les gens, ils ont besoin de te mettre dans des cases. quoi. Mmh. Donc, le film de jeunes de quartier marocain. Vous me dites un jeune réalisateur, mec, j'ai plus de 40 ans. Donc, c'est bon, ça s'est terminé. Donc, il euh, donc, euh, y a toujours cette image. En fait, c'est très frustrant parce que je serai toujours un éternel jeune réalisateur. C'est pour ça que je laisse ma barbe pour rappeler que je, je, je suis quand même âgé. Mais, <laughs> mais non, mais c'est important qu'on puisse raconter ces histoires-là. Parce que finalement, l'histoire d'Issan, ça aurait pu être euh, euh, un black aux États-Unis, ça aurait pu être moi dans un, avec des euh, victimes de crimes racistes. Et donc, je me suis identifié à Issan. Et c'est important qu'on puisse pouvoir s'identifier à des personnes qui, qui ressemblent à des gens qui existent. Quoi. Parce ouais. que quand tu vois un peu les... les, les... Parce que là, si on va clairement parler de couleur, etc., je pense qu'il y a... Une réalité qui n'est pas encore à l'écran. Tu peux raconter ça un ben, peu Je ne sais pas. Euh, <coughs> parce que on parle beaucoup de, de pouvoir mettre, des, par exemple, des acteurs de couleur, d'avoir de une, vraie, une vraie réalité qu'il y a dans la rue, pouvoir la mettre devant. Moi, je, moi, je me bats pour qu'il y ait des gens, des minorités qui soient derrière la caméra. Parce qu'à partir du moment où ils sont derrière la caméra, tout ce qui va arriver devant va être réaliste. C'est-à-dire que moi, quand j'ai raconté les barons, c'est mon histoire. C'est mes potes, c'est mon truc, etc. Donc, il y a des gens qui vont faire des efforts pour dire ah, il, faut un, il faut un Marocain dedans, il faut un, un truc, etc. Moi, ce n'est pas un effort. Moi, c'est un autre. C'est na, hyper naturel. Et je trouve ça dommage que ça devienne des obligations et des automatismes. Moi, je, je, quand je fais. Ou les barons ou même ça, je ne vais pas dire je vais voir combien j'ai de personnes de couleur, de minorité, etc. Moi, je me bats pour que les gens qui racontent les histoires, les scénaristes, les réalisatrices, soient des gens qui puissent raconter leur réalité. Et à partir du moment où ça, ça va se passer, je pense qu'il y a une vraie réalité qui va se retrouver devant. C'est les histoires qu'il faut écrire en fait. Oui, c'est les histoires qu'il faut écrire, mais tu parles aussi du fait que pour toi c'est naturellement, donc tu le fais naturellement, mais c'est pas tout le monde qui le fait naturellement, donc c'est pour ça qu'on suggère de quand même y penser quand tu écris ta scénario pour avoir cette représentation du monde que tu connais, que moi je connais, que tout le monde connaît en fait. Oui, mais c'est un constat. Moi je pense personnellement, je vais peut-être vexer des gens ou quoi, mais moi je pense que le cinéma euh, en Europe c'est un art bourgeois personnellement. Je trouve que c'est un art bourgeois. Moi, j'ai pas fait d'école de cinéma. Moi, on m'a refusé à l'école de cinéma parce que j'avais fait des études de mécanique. Et on m'a dit, mais non, tu dois faire les études euh, normales, pas faire des cours professionnels pour aller à l'école supérieure. Donc, je n'ai pas pu faire, faire l'école de cinéma. Donc, j'ai travaillé chez Volkswagen, à l'usine, etc. J'ai écrit mes scénarios seul et tout. Après, j'ai rencontré des gens qui ont fait que j'ai fait des films. Mais ça reste quand même... J'en parlais encore avec Adil et Bilal. Pourquoi Adil et Bilal ils sont amis comme des frères? C'est parce que quand ils étaient à l'école, il n'y avait, avait que deux Marocains. Donc euh, s'il y aurait eu cinq, six, il n'y aurait peut-être jamais eu Adil et Bilal. il y aurait Adil et François et Bilal et, et Karim, peut-être. <laughs> mais, euh, mais je pense que ça raconte quelque chose, quoi. Et ce n'est pas parce que moi, on m'a interdit, enfin on m'a dit que je, je pouvais pas faire du voilà, je n'avais pas accès à, 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 à l'école du cinéma. Mais Je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas aller mm -hmm. faire l'école de cinéma. Et je pense que ça, c'est un très très mauvais signal. Mais c'est vraiment, en toute honnêteté, j'ai plein d'amis réalisateurs, mais je pense que quand je, quand je vois un premier film, c'est la réalité, c'est ce qu'on a envie de raconter généralement. Quand c'est un film que toi, tu-même, tu as écrit, c'est que tu as envie de raconter cette histoire. Mais je pense que quand je vois des fois les films, je me dis que c'est quand même un art bourgeois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour motiver des jeunes de, de partout, avec tout euh, identité, euh, de leur motiver à les dans les écoles de film. Euh, alors c'est bizarre de dire d'aller à les écoles de film, parce que moi je n'ai pas été à l'école de film. Mais, 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 mais c'est bien d'aller à l'école, c'est ouais. très important, parce <laughs> il y a des enfants. Ou de les motiver de, de faire des films. Oui, d'écrire, quoi, en fait, je pense. Je pense ouais. qu'il faut aller sur les tournages, il faut pouvoir dire que c'est possible. Nous, on va produire, avec ma boîte 1080, on va produire des jeunes filles qui vont réaliser leur premier film, leur, premier film, leur première série. C'est eux qui viennent vers moi, parce qu'ils se disent... tiens... Euh, Nabil il nous ressemble ou quoi que ce soit, mais c'est bien. Mais je, je, je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres. Je vais pas pouvoir produire tout le monde, mais, <laughs> mais je pense qu'il faut qu'il qu y ait un signal C'est super quand je vois l'affiche. Pour toi par exemple quand je vois l'affiche de Koula Abdoul c'est super de voir que voilà. Mm. Mais ça doit pas être extraordinaire. Ouais. C'est ça. Doit est être ça un film normal. Parmi tant d'autres. Oui voilà. Euh, Est-ce que c'est ça aussi que tu as voulu faire avec ton film, avoir une représentation? Euh, je, veux, je, vais, je, je vais poser la question différente est-ce que euh, par ton film tu veux euh, mettre la lumière sur voilà la homophobie mais aussi le racisme oui non mais je, déjà c'est une histoire vraie donc heureusement mm -hmm. que c'est je peux pas l'inventer c'est tellement horrible mais je veux voilà je veux raconter euh, l'histoire d'Issane Jarfi belge de Liège etc donc je vais forcément m'identifier à Issane Jarfi parce que il vient des quartiers comme moi et que voilà je ne suis pas homosexuel, mais quand même, Issa jarfi son histoire me touche. Ça peut être des gens que je connais, etc. Donc, c'est bien aussi de mettre indirectement une double minorité euh, euh, au milieu d'un film. Quoi. Tu penses que le film a, a ce pouvoir de, de changer les pensées des gens euh, Ce film, il va plus choquer que faire changer les trucs. Mais, mais <laughs> je pense que c'est important. Non, mais c'est important parce que je pense que choquer, c'est une émotion. Choqué, c'est une émotion. Moi, quand les gens ont vu le film le 13 ou le 14, trois jours après, encore, on m'a téléphoné en me disant le film est toujours en tête, qu'est-ce qui s'est passé Je vais aller voir. Je pense que c'est important. Mmh. Changer les mentalités. Euh, euh, un il film, il rentre par là, il sort par là. Tu vois Mais moi, je pense que choquer est la seule manière de faire prendre conscience, de faire prendre conscience des choses. cest faire un film sur le premier crime homophobe, si les gens ils sortent du film, ils disent Ah, il est vraiment chouette ton film, hein Pff, il était bien, il était, ça m'a fait du bien. J'ai raté. Tu vois, tu as raté l'objectif du film. Que les, gens sont, que, que les gens sortent de la salle parce qu'ils trouvent que la violence est, un, est insoutenable, est insupportable, c'est un geste politique. Que les gens puissent s'identifier, qui s'appellent Yann, Eric ou toi, qui peuvent s'identifier à un, un Issan Jarfi, c'est politique. Donc ça, je pense que c'est hyper important de pouvoir faire en sorte que tout le monde s'identifie. Quand j'ai fait le baron, tout le monde a dit je veux être un baron, je veux être un baron, c'est politique. Ouais. Donc Après, c'est derrière, c'est pas devant. Il y a toujours le genre qui prime la comédie, le thriller ou quoi. Mais c'est toujours évidemment politique. Tu as dit euh, un truc important là tantôt. Tu as donné euh, l'exemple de Koul Voilà, Tu vois l'affiche, tu es fier, mais euh, pour toi, c'est important que c'est normalisé et que c'est pas une exception. Euh, Qu'est-ce que tu penses que voilà, tout ce secteur audiovisu audio audiovisuel a besoin de arriver à un point où c'est normal en fait ben, Pour arriver au fait que ça soit normal, il faut peut-être passer par... Euh un peu d'obligation, je pense, parce que c'est un automatisme. Malheureusement, c'est dommage. Je suis sûr maintenant qu'il y a plein de gens qui vont faire des films avec des femmes parce que c'est important, mais juste avant, ils n'auraient ils jamais fait. Tu vois Donc, ils se sentent indirectement obligés. Se dire que tu reçois de l'argent pour faire un film. Par contre, on voit que as mis, tu, as, tu as mis une minorité, une visibilité de ton, de ton équipe technique. Il y a des gens de, de plusieurs minorités, parce qu'on parle beaucoup d'hommes et de femmes. Ouais. Mais dans les femmes, il y a des femmes qui sont black, arabes, voilées, qui aimeraient faire des films. Eux, c'est encore, ils sont encore tout au bout, quoi. Donc c'est aussi ces personnes-là qu'il faut aller mettre en avant, parce qu'elles ont deux malheureusement dans la société handicap. C'est qu'est-ce qu'ils se disent Si je suis une femme et en plus je fais partie d'une minorité. Et ces gens, ces femmes-là, elles, elles ont aussi un combat aussi à mener. Et donc je pense que des fois il faut obliger les gens à se dire hé, hey, les gars, réveillez-vous. Comment ça se passe dans, dans tout ton film Je vois euh, tout le monde se ressemble, il y a rien d'autre, etc. Ou le seul Marocain, c'est le voleur, ou alors c'est le terroriste et tout. Euh, je pense qu'il faut changer les mentalités. quoi. Mais des fois, obligation, c'est bien. Alors un peu plus d'argent pour ceux qui font l'effort, c'est bien. Mais obligé, euh, beaucoup de gens voient ça comme euh, voilà euh, comme si leur euh, liberté artistique est un peu. Ah non, ouais, quand je dis non, en fait, il faut des bonus. Il faut pas dire non, tu as fait un film où il n'y a pas. Non, il faut encourager les gens à le faire. C'est l'encouragement. C'est l'encouragement. Et un encouragement, c'est pas juste. Non, non, c'est avoir plus de visibilité, plus un peu plus d'argent, plus de moyens, etc. Es tu es aussi très active dans le côté français. Est-ce que tu vois des initiatives là-bas que tu peux partager avec nous que tu trouves très positives ben, l'acteur le plus aimé de France, le plus respecté, il s'appelle Omar Sy quoi. Donc ils ont quand même des dizaines de, excusez-moi, ils ont des le mec qui a fait le plus grand succès sur Netflix, euh, bon maintenant c'est Squid Game, c'était Lupin, mais mais euh, mais je trouve que ils ont les gens de banlieue en France, ils se sont battus, ils ont pris ça en main, il y a eu le football, les gens ils ont les gens ils ont ils ont été chercher des jeunes des quartiers pour jouer au football, ils ont été formés. Ici, il y a pas ça. très bien ouais ok est-ce que tu penses que quand on voit quand on voit l'affiche de coulabdoul et qu'on voit la tête d'un marocain comme toi qu'on dit c'est extraordinaire est-ce que tu trouves qu'en 2021 c'est normal de dire que c'est extra est-ce que tu trouves ouais est-ce que tu... <laughs> moi je trouve que on, on, on pourra on peut dire que on est quelque part hein. est pas, on n'est pas nulle part oui. mais c'est bien fait, de pas. continuer quoi Ouais. Après, je pense qu'il faut des, il faut pas forcer, mais il faut encourager. Ouais. Et normaliser. Il y de... toi, c'est ça. Mais moi, je peux poser une question. Il y a combien de réalisatrices de couleur ou marocaines en Flandre Une. <laughs> voilà. Je je, 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 mais je... c'est ce que j'entends aussi de ces, parce que j'en connais euh, des réalisateurs euh, de couleur et leur frustration, c'est euh, tout d'un coup, il y a cette expérience que c'est eux qui vont le faire, tu vois Ils arrivent, ils sont jeunes, ils ont eux-mêmes leur envie, comme tu dis. Ton premier film, c'est 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 une histoire que tu veux raconter. Et tout d'un coup, il y a cette euh, euh, voilà, on a un problème dans la société et on leur vise pour ça. Et ça aussi, c'est comme tu dis, tu n'aimes pas aussi quand on, oui, on te met dans cette vrai. Euh, ok Quand il y a eu les attentats à Bruxelles, et moi, tout le monde m'a téléphoné pour venir parler à la télévision, quoi. Quand Ben Laden est mort, on m'a téléphoné pour voir c'était quoi ma réaction parce que Ben Laden était mort. Quoi. Alors que j'ai dit, mais quand Michael Jackson était mort, vous ne m'avez pas téléphoné. <laughs> j'ai dit, vous ne m'avez pas téléphoné, pourtant <laughs> j'ai pleuré ma race pendant des jours et des jours. Et Donc là, le média plus, aussi vrai. Des, Donc, euh, le, du travail. Le jeu des médias, parce que dès qu'il y en a un, on va, on va tout, lui poser toutes les questions possibles, politiques, symboliques, et qu'il va être condamné à écrire. Euh, euh, des histoires uniquement là-dessus etc mmh. mais non mais bon ça c'est le problème c'est que s'il y a ça c'est qu'il y a un problème c'est qu'il n'y en a pas assez quoi. Ouais. donc voilà après c'est une question d'ouverture euh, je pense et d'éducation ouais. ça prend du temps hein. ok merci euh, tu veux peut-être partager euh, quand ton film va être au cinéma quand on va aller le voir il va être à 17h mais restez ici là il... <laughs> il y a une projection à 17h mais restez bien ici mais il, est non, non, tour... il va sortir fin janvier euh, euh, fin, fin janvier dans les salles et puis, euh, voilà, j'espère que, que les gens en parleront. Et puis, voilà. Okay. Un film très différent de ce que j'ai fait, très spécial. Je suis très curieuse et j'irai le voir. Merci beaucoup, eh, Nabil.